Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tirage du jour du lundi 4 mai 2020 avec et comme toujours le jeu 32. Allez, c'est parti. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, chiffre 4 mai 2020, donc chiffre 4. Donc il y aura peut-être pour certains et certaines quelques blocages dans l'air. C'est le chiffre 4 est représenté sur le forme, sous une forme de blocage, de restriction, que vous allez devoir remonter vos manches par rapport à une situation. Donc, il y a une situation de blocage hein, qui est bloquée peut-être. Bon, peut-être que pour certains, c'est par rapport à ce confinement. Mais il y a vraiment quelque chose de bloqué. Et là, nous avons... Non, j'en ai trop. Donc, ce n'est pas possible. Quand il y en a trop, ce n'est pas possible de les lire. Donc, il y a vraiment quelque chose de bloqué. Hein. D'accord ? On va regarder dans le tirage ce que ça donne. Allez, on coupe, on a le déplacement et le roi de pique. Donc, pour certains et certaines, là, ça va nous parler d'un petit déplacement. Pour quoi faire? Ben, pour aller voir le médecin, tout simplement. Alors, peut-être pour eux, il y en a, c'est pour un renouvellement de traitement. Il y en a ben, parce qu'ils doivent aller voir le médecin, ils ne se sentent pas bien. Ça peut être aussi, vous vous déplacez concernant tout ce qui est notaire, par rapport à une situation qui est bloquée, justement, ça vous inquiète. Sous une forme tout ce qui est juridique, peut-être par rapport à une situation... d'un procès, donc d'une procédure. Donc là, vous allez vous déplacer. Hein. Bon, c'est un petit déplacement, donc c'est pas si loin de chez vous, d'accord? Mais il y a quelque chose de bloqué et vous allez devoir vous déplacer concernant soit un médecin et vous allez pas avoir le choix pour certains et certaines. Hein. Et pour d'autres, ça peut être tout ce qui est juridique. Hein. Ça peut être aussi les gendarmes, hein, tout simplement, hein, parce que le roi de pique, ça peut être tout ce qui est lié à un homme, à une personne en uniforme. Hein. Allez, on y va. On en prend 13. Allez, c'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on ressort le 8 de carreau. Donc, il y a vraiment un déplacement qui va être fait. Allez, c'est parti. 2, 4, 6, 8, 10, c'est parfait. Allez, on y va, on commence par cette dame de cœur. Donc la dame de cœur, c'est tout ce qui est votre fille, ça représente votre fille, votre enfant féminin, donc fille, ça peut être la meilleure amie, votre sœur, votre tante, hein, d'accord? Ça peut être dans la famille. Il y a une colère, hein, colère avec cette jeune femme-là, donc soit colère avec votre fille, il y a de la tension dans l'air, donc je vous l'ai dit, chiffre 4, il y a une situation de blocage, hein. Donc il y a vraiment, mais ça s'apaise, voyez? On a vraiment, il y a une, peut-être que vous êtes chamaillé avec votre fille, pardon, il y a peut-être de la chamaillerie, peut-être il y a eu des disputes. Et là, on voit que les choses s'apaisent, hein, joie et colère. Donc le joie abaisse, atténue cette colère. Hein. Mais les choses vont être faites. Là, nous avons la carte du retard. Donc sur du retard, vous allez avoir une joie qui va arriver pour vous, des bonnes nouvelles qui vont arriver concernant des projets, si c'est dans le sentimental. Donc des choses qui vont vraiment arriver dans le sentimental. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, homme ou femme, peu importe. Vous avez rencontré votre partenaire et avec cette personne-là, il va y avoir des projets, projets d'amour, projets d'union, projets de vie ensemble. Donc c'est plutôt pas mal. Là, ça peut être aussi sur du retard, mais... comme on a dit la carte du retard, peut-être que justement sur du retard, vous avez eu ces projets avec cette personne-là, hein, projet comme je vous l'ai dit, construction, mais là, à l'instant T, là, la carte de la rapidité, peut-être que vous ou la personne avec qui vous êtes bah, veut accélérer les choses. Peut-être que justement, ce confinement a fait que bah, vous voulez avancer plus vite, chose qui est normale. Alors là, on a cette dame de carreau. Donc, on vous dit dans les 24 heures, 48 heures ou à l'instant T, hein, pour ce lundi 4 mai 2020, donc ça peut être soit le mardi, soit le mercredi, mais ça peut être le jour même, hein, le lundi 4 mai 2020, vous pouvez avoir des nouvelles d'une femme pas bonne. Des nouvelles, soit par texto, qui vient vous voir. N'oubliez pas, on a ce 8 de carreau de visite. Et là, on vous dit, c'est bien vous, cette personne-là ne vous aime pas, hein, c'est confirmé. Alors, quand vous avez ça et ça, ça peut être... Alors, on fait comme ça, oui, comme ça. Là, vous voyez, quand c'est comme ça, ça aurait été d'abord la dame de trèfle, ça aurait pu vous représenter, vous, la dame de carreau. Ça veut dire que... je donne un exemple, parce qu'il y en a qui ont du mal avec cette dame de carreau, je le sais, mais je ne vais pas passer des heures, excusez-moi. La dame de carreau reste une femme perfide, d'accord? Manipulatrice. Quand elle est la dame de trèfle et juste derrière la dame de carreau, ça peut être vous qui êtes, qui peuvent ou peut-être...
perfide, manipulatrice, par rapport à une situation pour vous défendre, d'accord? Ça veut dire que vous, vous pouvez être dans une situation, je vous donne un exemple, voilà, on vous a fait du mal et ben, vous voulez vous protéger. Donc, vous allez changer, ouais, enfin changer, vous allez vous transformer en cette dame de carreau. Ça veut dire que vous allez vouloir vous venger, même si c'est pas bien de se venger, je sais bien, voilà. Mais là, cette carte-là, vous voyez, c'est... Elle est comme ça et ensuite, vous voyez, vous faites votre jeu, elle est comme ça. C'est pas comme si elle était comme ça, voyez? Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'il y a bien une femme qui est pas bonne pour vous. C'est confirmé. Et vous allez en avoir des nouvelles, ok? Là, et des nouvelles de cette femme-là qui, ça peut-être vous tracasser, vous inquiéter. Vous allez dire, mince, elle me cherche des noises, voyez? Ça va vous vraiment, là, le 8 de pique, ça va vraiment vous mettre mal à l'aise. Vous allez en avoir peut-être marre. On voit que c'est tendu. Voilà, voilà. On vous dit vraiment de faire attention, d'accord? Donc là, c'est de faire très attention même, d'accord? Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Avec certitude, voyez? Donc, on vous dit... de faire vraiment attention à cette personne-là. Il y a vraiment une personne, cette femme-là, qui veut, moi pour moi, qui veut vous vraiment du mal, qui refait peut-être surface, on ne sait pas, hein, puisque vous allez avoir des nouvelles bientôt. Ça vous tracasse, hein. Vous voyez, on a ce 8 de pique. C'est une femme qui vous tracasse, ce retour de cette personne-là vous tracasse. Et voyez, vous avez le roi de pique. Donc là, le roi de pique, on l'avait sorti à la coupe, ainsi qu'avec le 8 de carreau. Donc là, il y a vraiment quelque chose, peut-être que vous avez mis peut-être cette femme-là en procédure, peut-être que vous avez eu des soucis avec cette femme-là par le passé par rapport à une procédure. Mais là, avec certitude, cette femme-là revient dans votre vie. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Là, on a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle, c'est un jeune homme qui est élégant, charmeur, bien habillé. Ça peut être un avocat accompagné du roi de pique. Donc, peut-être que justement, vous êtes en procédure avec une femme ben, vous allez avoir des nouvelles. Ou peut-être que vous attendez des nouvelles de votre avocat pour certains et certaines. Et c'est confirmé par courrier, par téléphone, par mail. D'accord? Donc là, il y a vraiment une situation pour vous, messieurs ou mesdames. Donc là, on a bien sorti la consultante, mais ça peut être vous, messieurs, vous inversez, ça peut être le roi de trèfle. Il y a vraiment une situation où... il y a quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous agace par rapport à cette femme-là. Alors, on va retirer sur la dame de carreau, on va en mettre une sur la colère et sur l'huit de pique. Et puis, c'est tout. Donc, la dame de carreau confirmée avec le valet de pique. Donc, c'est vraiment, et moi, je le ressens, hein, il y a vraiment pour certains et certaines une femme pas bonne qui est manipulatrice. Ok? Donc, on vous dit vraiment de faire très, très, très attention. Ok? Et là, on a la colère dans le foyer, la maison. Donc, peut-être que justement, cette femme vous agace et peut-être que justement, ça crée des tensions dans le couple, dans le foyer, hein, ou même dans la famille. D'accord? Mais sur le 8 de pique, génial, on a cet as de trèfle. Donc, on a vraiment quelque chose qui vous dérange, qui vous agace. Alors, ça peut vous... ça vous met mal à l'aise. Il y a un mal-être quelque part par rapport à cette femme, hein, ce personnage. Mais vous avez la réussite dessus. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok? Donc, c'est bien. Donc, voilà, mes amis. Bon, en tous les cas, j'espère que ce tirage général vous aura parlé. On va passer maintenant au tirage sentimental. Allez, c'est parti. Mais bon, dans le tirage général, déjà, le sentimental, il n'y avait pas trop de... J'ai pas sorti de roi, j'ai pas sorti... Vous voyez, c'est plus... Ça me parlait plus concernant une personne qui vous agace. Donc, c'est pour ça on va regarder avec l'oracle des miroirs. J'en ai deux. Vous voyez, on a la loi. On a le miroir magnétique. Donc, il y a peut-être... Alors, dans le domaine sentimental, peut-être qu'il y en a, ils sont... Vous allez avoir des nouvelles. Vous avez peut-être fait pour certains, hein, une rencontre avec un homme. Ça peut être un homme en uniforme, hein. Un homme qui travaille dans la justice, qui est en rapport avec la loi. Alors, ça peut être un gendarme, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un militaire, ça peut être bon, un pompier. Mais bon, là, c'est vraiment dans la loi, hein, vraiment en uniforme, hein, d'accord? Allez, on y va pour la coupe, pour le sentimental. On a l'évolution, génial, on a la trahison. Alors, pour certains et certaines, peut-être que par le passé, vous avez été trahi bah, par,
par rapport à votre situation sentimentale, dans une relation sentimentale. Mais regardez, vous allez vers l'évolution. Hein. Vous montez, vous montez, vous montez vers la réussite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, il y a bel et bien une rencontre qui va arriver pour vous. Allez, on y va. Tirage en croix comme d'habitude. Oh, génial. Oh, 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 génial. Cool. Compromis, réconciliation, c'est génial. Alors, nous avons la carte de l'hérédité, nous avons la carte de la sexualité, nous avons la carte du compromis et nous avons la carte de la victoire. Génial. Alors là, nous avons l'hérédité. Donc l'hérédité, ça nous parle de la carte de tout ce qui est lié à la famille, tout ce qui est lié aux enfants, à la descendance, hein, tout ce qui est lié à la famille, hein, voyez, et c'est aussi, ça peut vous concerner, vous, quelque chose qui revit, voyez, vous renaissez, voyez, cette arme-là, il est mort, donc voyez, il a pu ses feuilles et tout, vous avez cette tête de mort, donc il y a eu vraiment la fin de quelque chose par le passé, comme je vous le disais à la coupe, il y a eu une trahison, vous avez peut-être souffert d'une relation ou de plusieurs relations et vous en avez eu marre, et là, on voit que vous vous transformez, voyez, vous laissez tomber les choses pour mieux renaître, voyez, il y a une renaissance là, et on voit qu'il y a quelque chose vraiment de très fort qui va se créer. Alors, l'hérédité, c'est la famille. Peut-être qu'avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, ben, cette personne-là voudra faire recréer une famille ou a peut-être déjà une famille, hein, avec ses enfants. En tous les cas, il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de sexualité. C'est plutôt pas mal, mes amis célibataires. Là, il y a vraiment quelque chose, un accord qui va se faire, hein. Il y a vraiment un contrat qui va se faire. Et pour finir, vers la victoire. Donc, franchement, là, c'est honnêtement, pour celles et ceux qui apprennent l'oracle des miroirs, c'est facile. Ok. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, enfin qui viennent de rencontrer quelqu'un, on a bien peut-être une personne avec qui peut-être la personne a des enfants, peut-être que vous justement, vous avez des enfants et il va y avoir une famille recomposée. Il y aura beaucoup d'amour, il y aura beaucoup de sexualité. Sur le plan sexualité, il n'y aura pas de souci. Il y aura vraiment un accord, un contrat, peut-être un contrat de mariage, hein, un compromis qui va être signé. Et en tous les cas, il y aura vraiment la réussite. Hein, d'accord? Donc là, c'est plutôt génial. Pour celles et ceux qui sont en couple depuis un certain temps, on voit qu'il y a la famille qui est présente, qui est bien là, qui est bien ancrée en vous. On a encore beaucoup d'amour, beaucoup de sexualité. Tout se passe bien dans ce domaine-là. On a vraiment un compromis, il y a vraiment un contrat, peut-être que justement vous avez peut-être signé pour acheter ou pour vous marier, hein. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et vous n'avez pas franchi le cap, mais en tous les cas il y a la victoire, hein. Il y a vraiment un bel amour qui est là, hein. Ça c'est de très très belles cartes. Pour celles et ceux qui, dans le cas contraire, ça ne va plus du tout dans le couple, pourquoi? Ben, peut-être bon, vous avez des enfants, bon, ben, les enfants ils acceptent, c'est vous qui partez, il y avait peut-être justement vous le contraire, un manque de sexualité, mais la sexualité était là, mais peut-être que vous, ben, vous attendez plus. Il y a un contrat qui va se faire, donc peut-être le contrat du divorce, et en tous les cas, vous avez la réussite par rapport à cette séparation. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal, vous avez la victoire. Pour celles et ceux qui sont en triangulaire, nous avons la carte de l'hérité, donc peut-être qu'il y a un des deux... Alors, comme c'est en triangulaire, peut-être que justement la personne avec qui vous aimez, avec qui vous êtes, a une situation compliquée avec ses enfants, ne peut pas trop vous voir parce que soit les enfants sont jeunes et c'est compliqué pour lui. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sexualité. Mais en tous les cas, il y aura vraiment un compromis de fait avec cet homme-là ou cette femme-là, votre partenaire. Et il y a la victoire, donc la réussite totale. Ensuite, pour celles et ceux qui attendent le retour de l'ex, peut-être que justement, vous avez mis un terme de peut-être un certain temps avec votre ex compagnon ou compagne. Il y a peut-être eu des enfants avec cette personne-là ou pas du tout. Et en tous les cas, il y aura un rapport avec les enfants. Peut-être pourquoi pas de la personne revient et justement faire un bébé, que les choses justement se fassent pour faire une famille, pour se remettre ensemble. Il y aura de la sexualité avec cette personne-là, donc beaucoup d'amour. Un contrat, pourquoi pas peut-être se marier, se remettre ensemble en tous les cas. Et il y a la victoire. Donc voilà les amis. Et en d'autres decks, on avait quoi? On a le voyage. Donc, peut-être qu'il y aura pour certains un voyage où soit la personne justement est loin, mais en tous les cas, vous allez, pour les célibataires, faire une belle rencontre. Il y aura beaucoup d'amour et victoire. Génial! Cool! Donc, voilà les amis. Bon, en tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, en tous les cas, je voulais vous remercier tous et toutes pour vos messages. Je vais y répondre pour mes 20 000 abonnés.
et mes nouveaux et nouvelles abonnés. En tous les cas, merci, 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 merci pour tout d'être là. Merci d'être là pour ma chaîne. J'essaye au mieux d'être présente et surtout vous apprendre, parce que moi, c'est un bonheur de vous apprendre, parce que moi, les cartes, j'adore ça. Et puis, parce que moi, je suis médium à la base, mais je sais que vous adorez, et c'est vrai qu'avec ce confinement, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont appris à faire les cartes. Je ferai comme promis la signification cette semaine. Bon, ça, j'en aurai pas pour longtemps. Pour moi, une signification de carte, c'est facile. C'est vrai que quand on additionne deux cartes, c'est plus compliqué pour vous, mais c'est vrai que c'est plus long pour moi. Mais bon, je sais que vous adorez ça. Je sais qu'on me l'a demandé. On m'a demandé pour l'améthyste Love. Je vais le faire. Je vais le commander, promis. Parce que je sais... Bon, moi, je l'utilise pas parce que pour moi... moi, c'est mon jeu de 32 et pour moi, c'est facile. Je sais qu'il y en a qui apprennent. Je sais que, bon, Laura, pour un demi-miroir, c'est facile aussi pour moi. Mais moi, je sais que j'adore vous apprendre parce que, comme je le dis, on a tous et toutes un don en nous, qu'il soit petit ou grand, il faut savoir le développer. Et ne serait-ce de brasser les cartes, déjà, ça vous fait... évoluer votre don et ça le fait sortir en vous, voyez. Un don, ça demande que ça, ça bouillonne en vous. Donc, c'est pour ça qu'il y en a pas mal, qui ont pas mal d'énergie, de ressenti. Mais en fait, c'est votre don qui est à l'intérieur de vous, qui demande à le travailler. Et si vous êtes attiré par les cartes, c'est normal, c'est votre don qui demande que ça, en fait. Donc, le fait de vous acheter une carte, il faut se l'approprier. Donc, soit vous avez un jeu de cartes qui avec vraiment vous vous sentez bien. Surtout si vous avez mal à la tête, vous achetez un jeu, vous avez mal à la tête, lâchez-le, il ne vous correspond pas du tout. Mais pour celles et ceux qui adorent apprendre les cartes, si vous voyez qu'il y a un jeu que vous kiffez, que vous adorez, vous voyez, c'est tout bête. Voilà, vous purifiez comme ça, en le brassant, toujours, vous lui parlez, toujours. Et voilà, c'est tout bête. Et je vous trouverai aussi, je vous donnerai... je sais que je peux paraître bête par moment, mais je vous donnerai aussi des astuces... mais je vous dirai ça plus tard pour toujours avoir des bonnes nouvelles. Alors, c'est pas les cartes, c'est comme les cartes sous l'oreiller, mais c'est un astuce tout bête. Mais je vous le dirai la prochaine fois, d'accord? Peut-être en live, je vous dévoilerai quelque chose. Mais chut, pas pour l'instant. Mais je ferai de toute façon le direct, je ferai le direct pour vous remercier à vous, mes 20 000 abonnés. Pour celles et ceux qui me suivent, en tous les cas, je ferai un direct dimanche. Alors, vous me direz si vous voulez, soit le dimanche après-midi ou le dimanche soir, vous me direz, ok? Et parce que moi, je sais qu'il y en a qui travaillent, et merci, merci, merci encore pour celles et ceux qui travaillent, que ce soit médecin, caissière, voilà, un gros, gros merci. Voilà, je veux faire plaisir à tout le monde et que c'est normal que tout le monde participe. Et donc, je vais voir comment je vais procéder pour vous remercier, pour faire les questions, pour répondre à des questions gratuites. Donc, je vais voir. Je sais que j'ai eu pas mal de propositions. Donc, voilà. OK? Et en tous les cas, merci, merci. Dès demain, alors oui, dès demain, parce que j'ai pas eu le temps, je me suis un petit peu... C'est vrai, j'ai fait un peu ma feignante ce week-end. Je me suis reposée. Et parce que je voulais faire absolument les tirages, le reste des signes sentimentaux pour le mois de mai. Donc, dès demain, vous en avoir 4. Mardi, vous allez avoir les 4 autres. Et il m'en restera plus beaucoup. Donc, voilà, j'essaye de faire au mieux. Je sais que ce n'est pas évident parce que ça prend beaucoup d'énergie. Parce que j'ai aussi mes consultations. Donc, voilà, et je ne veux pas me perdre non plus voilà, par rapport aux énergies. Donc, il faut de temps en temps, un médium a besoin de se reposer et de se ressourcer. Mais en tous les cas, merci, merci, merci. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, très fort. Demain matin, vous allez avoir en vidéo, en ligne, la guidance de la semaine. Mais en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao et à demain. Bye, bye et bonne soirée. Salut les amis.